Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une unboxing Diamond Painting avec la boutique On Day Saving qui m'ont envoyé un email en me demandant si j'acceptais un partenariat avec eux. Voilà, donc j'ai accepté et donc j'ai choisi avec eux trois kits. J'avais un certain montant à choisir et donc j'ai choisi trois kits et ils m'ont rajouté une petite chose en plus que je vais vous montrer à la fin. Faites pas attention, mes douleurs sont là. Donc, de temps en temps, ça va coincer. Alors, le premier kit. Alors, comme vous savez, maintenant, je prends des kits petits, enfin petits, moyens, en perles rondes. Pour l'instant, je ne suis plus copine avec les perles carrées. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, le petit kit avec le stylet, le petit carré de colle et le petit plateau. Donc, on a les perles rondes en chapelet. Alors, pour ce premier kit, il y a 20 couleurs. Un premier qui se promène, du blanc. Et voilà les couleurs. Beaucoup de roses. Et voilà le dernier. Oui, juste le temps que je replie. J'ai replié trop grand. Ça doit aller. Je vais débrouiller avec le sachet, comme d'habitude. Voilà. Pas oublier le blanc. Alors, je vous remettrai les images hein, juste après pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est des papillons avec des roses. Voilà. Donc c'est un 30-40 avec 20 couleurs. Impression, il n'y a pas de problème. Niveau colle, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà pour le premier. Donc maintenant vous savez hein, comment j'enlève les plis des kits. Hein. Là il n'y a pas de rivière, mais je veux dire les plis du pliage. Moi, je les repasse. Le deuxième.
Alors cette fois-ci, je suis très nature. le petit kit qui va bien. Les petites perles rondes. Et il y a combien? 22 couleurs. Donc, voilà les deux premiers. Et voilà. Donc ce kit ici n'est pas de la même taille. Plus petit et il est carré puisque c'est un 30-30, je tiens endroit, oui, voilà, c'est un petit oiseau bleu. Donc je vous mets les photos juste après, donc celui-là il va aller très vite à faire. J'aime bien l'oiseau. Et le dernier. Petit kit. Oh, mes yeux. Les petites perles, toujours rondes. Alors là, il y a combien de couleurs? 22. Donc, en voilà déjà deux. Voilà les couleurs. Voilà. Donc ici, j'allais vous dire qu'il ressemble au premier. Vous n'aurez pas tout à fait tort. Alors c'est un 30-40. Voilà. Alors j'espère que je prends dans le bon sens. Oui. C'est papillon, mais avec des tulipes cette fois-ci. Voilà.
on se rend mieux compte avec l'image. Donc j'ai pas fait exprès de prendre à peu près les deux mêmes. Mais... Alors, et la petite chose que j'ai eu en plus, c'est ceci. Alors au début, je me demandais ce que c'était. Enfin, ce que j'avais vu sur le site, mais quand j'ai reçu, j'ai dit tiens, c'est pas. C'est pas la même chose, mais si. Alors, il y a un bâton en bois. Et voilà ce qu'il y a. Alors, je vais vous sortir ce qu'il y a. Alors, avec, vous savez, deux pompons, comme ceci. Là, ils sont bleus. Vous avez un morceau de ruban bleu et vous avez une pochette comme ceci. Alors elle est toute en plastique. Alors comme elle est toute en plastique, le fer à repasser là, je ne sais pas si ça ira. Alors faudra que moi j'essaye. Alors je vais reprendre mon kit. De l'oiseau, je suis pas sûre que ça rentrera puisqu'il y a les bordures. Ah bah non, avec les bordures ça rentrera pas. Sans les bordures ça rentre, c'est pas grave. Alors je vous explique, on rentre le bâton comme ceci. Allez, sort. Voilà, on va rentrer le bâton comme ceci. Donc ça, on va d'abord faire pour qu'il soit bien droit. Hein. Donc moi, je vais faire des, je vais essayer avec ma table à repasser, mes serviettes éponges et là pas au coton, je pense, hein, parce que c'est du plastique, je répète. Donc ou alors mettre en dessous de plusieurs livres pour faire du poids, pour bien le redresser, pour qu'il se remette bien droit. Voilà. Après, vous avez les pompons. Donc, les pompons, ben, je sais. Alors, les pompons, comment il est rangé? Attendez. Je regarde les pompons. Voilà, alors, bien sûr, j'ai plus de visuel, mince. Alors, il y a plusieurs tailles hein, qui existent dans celui-là. Alors, ça, c'est le 30-30, il existe le 40-40, le 30-40, le 40-50, le 30-60, le 40-30, le 50-40, voilà. Donc vous pouvez mettre des kits donc c'est pour mettre votre kit terminé dedans, voilà. Donc de vraiment de plusieurs tailles. Alors je regardais si j'avais une photo. Ah oui, voilà. Alors hop, ah, quand j'appuie ça me met pas en grand. Alors bien sûr, il passe le ruban là et là. Donc vous avez votre clou ici et les rubans sont mis ici, les pompons. Donc vous accrochez vos pompons là, voilà. Et donc vous mettez votre kit là dedans, mais vous découpez les bordures de votre kit avant. Thank you.
vais vous mettre la photo de l'exemple qu'il y a sur le site. Voilà, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc ça évite de faire un encadrement, mais à vendre. Donc ah ben voilà pour les pompons. Je savais qu'il y avait bien un truc. Alors, est-ce que je vais aller voir là, vous voyez, il y a des trous en bas pour passer les pompons. Voilà. Ben, c'est vrai que noir sur noir, il fait noir. Donc voilà. Donc c'est un genre d'encadrement, si on veut, pour vos kits. Donc vous coupez les bordures de chaque côté de votre kit et vous glissez votre kit dedans. Voilà. Donc moi, comme c'est bleu, là, je ferai l'oiseau bleu et je le mettrai dedans. Mais quand je l'aurai fait, je vous montrerai le résultat. Voilà. Alors, pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai le plastique de ça. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vais vous mettre également le lien de la boutique. Voilà. Alors ici, ils m'ont livré quand même assez rapidement. Je vous dis ça. 15 juillet, on est le 27 juillet. Donc ça a mis 12 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà. Donc moi, je vous mets tout ça en barre d'infos, comme d'habitude, sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur site, il y a des belles choses. Et nous, on se retrouve très rapidement, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.